Bonjour et bienvenue Aliens Fireteam Elite. Avertissement de saisie photosensible. Apparemment, ça c'est nouveau. Ça devrait pas être mis quand le jeu sort. Des messages comme ça de problèmes. Enfin bref. Ah, donc, mise à jour qui vient de sortir. Qui fait 7 gigas, quasiment 8 gigas. Donc, c'est gros. On a le point défense qui vient de sortir. Je viens de regarder SteamDB, hein, comme d'habitude, j'aime bien regarder. On est à 300 personnes sur le jeu là. Ouais. Genre quand t'as un jeu avec une mise à jour qui sort, qu'il y a à peine 300 personnes dessus, c'est mauvais signe. Bref, on va voir un peu. Donc le jeu, ok. On va sûrement pouvoir acheter les nouvelles armes. On va faire le nouveau. Je voulais faire en fait un test solo avec le point défense. Genre si on trouve des gens en fait, c'est ça que je veux voir. Donc on a les nouvelles armes comme j'ai dit, hein, donc on en a une là, deux, trois et quatre, donc on peut tout acheter. Voilà, donc hein, les armes c'est pas des récompenses comme j'avais prédit, c'est dans le magasin, donc ça sert strictement à rien de jouer au jeu. Alors, ça y a pas les avantages kit. Ah oui non, ils vont pas rajouter de trucs pour le moment, ça sera plus tard, ça sera pour la saison 3. Au passage, ils appellent ça des saisons. Ce n'est pas du tout des saisons, hein. Ce sont des mises à jour gratuites. Hein. Les saisons, c'est quand il y a quelque chose qui dure genre un mois ou 3 mois ou n'importe quand, n'importe combien de temps, on s'en fout. Mais qu'il y a des récompenses en fait, on continue et c'est quelque chose qui va rester un certain nombre de mois. Et après, va partir. Hein. C'est ça les saisons. Hein. C'est comme ça que ça marche les saisons. Ça a strictement rien à voir avec ce qu'ils nous montrent. Enfin bref. Alors du coup, maintenant on a des statistiques de vie. Alors les statistiques, ok, bon ça va. Les statistiques prennent en compte ce qui s'est passé avant. Donc ça va. Donc dégâts infligés, assistance, spécial éliminé, consommation. Ah, ok, c'est cool. Kit préféré, docteur, lol. Aïe, aïe, aïe. Mission. Donc mission, il y a écrit en quoi on les a finis. Genre j'ai fini en extrême, cauchemardesque, non. Ok, ça c'est sympa, c'est un truc honnêtement qui devrait... Mode de jeu horde et point défense, on l'a pas encore fait. Ça honnêtement, ce sont des choses qui devraient sortir en même temps que le jeu, hein. Meilleur temps. Genre là, standard, il n'y a pas. Apparemment, je l'ai fait, mais ça n'a pas noté le temps. Je voudrais bien savoir comment ça fonctionne. Ou alors, je l'ai jamais fini en standard? Non, kit d'arsenal terminé, bah si. Ouais. Ou alors, dès qu'on dépasse les 20 minutes, non, j'ai rien dit. Ouais, très bizarre. Très très bizarre. Enfin bref. Kit d'arsenal. 17, 32 000. Ok. Ça lag un peu hein, quand je clique. Enfin, il y a un peu un petit délai, faudrait améliorer ça. On a même les stats des armes et tout, ça c'est cool. Ça c'est sympathique. Ouais, ce sont des bonnes choses, mais honnêtement, qui arrivent après, en plus après que le jeu soit mort, c'est un peu con, mais qui arrivent pas, qui soient pas dans le jeu de base, honnêtement, c'est très con. Donc du coup, ça sert pas à grand chose. On a des nouvelles émotes apparemment. Ok, c'est quoi ça? Aperçu R. Je sais, honnêtement, je sais plus vraiment jouer au jeu, donc ça va sûrement être une catastrophe au début, mais bon, c'est comme ça, pardon. Arsenal, on peut avoir plusieurs kits ou pas? Genre, ils avaient dit qu'ils allaient rajouter des builds en fait. Où on peut. Non, on peut pas. Non, je pense pas que ça existe encore. Enfin, pour le moment. On n'a pas de nouveautés, on n'a pas de modifications, tout ça. Il y a des choses qu'il faudrait tester, voir si ça fonctionne. Parce qu'il y a encore des améliorations, en fait, des avantages qui ne fonctionnaient pas. Genre, qui augmentaient pas le radius, par exemple, de la tour de soins, des trucs comme ça. Donc, voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est très moche, tout ça. C'est très très moche, c'est bien. Attends, moi j'ai casque de garde spécialité élite. Ouais, bof. Ouais, alors, casque de garde spécialiste élite. Casque de garde, j'ai dit. Voilà.
Très bien. On a encore un truc apparemment. Ah, là. Ouais. Ah, on peut faire Hunk. Ouais, trop bien. Ça enlève tous les cheveux apparemment. C'est cool. Je sais pas quoi dire moi. Très bien. J'ai pas fait mon personnage chauve. Hein. Alors pour les armes, on a des nouvelles peintures aussi. Opale. Ouais, on va pas le mettre honnêtement, j'ai pas envie. On va prendre donc la nouvelle arme. Donc on va prendre ça. Donc c'est un fusil à plasma Zevda. Fusil automatique, tir automatique. Alors les dégâts, beaucoup moins, cadence de tir, beaucoup moins, temps de rechargement, beaucoup plus lent. Capacité du chargeur 80, il y a plus de balles chargées. Dégâts sur les points faibles, c'est à peine 200%. C'est cool. Donc déjà, ça a l'air, ça donne la... Ça... Et merde, à chaque fois, c'est vrai que c'est clic droit, j'ai complètement oublié. C'est... Ouais, ça donne déjà les goûts et les couleurs. Temps de rechargement, cadence de tir, temps de rechargement. Et cadence de tir de 1,5 après un tir réussi. Donc, ok, d'accord. On tire plus vite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Dégâts sur points faibles et stabilité. Cadence de tir. Déjà, on va regarder ce que ça fait. Ah, le son est pas mal. Le son est pas mal, la dispersion est petite, ça, c'est cool. Ouais, pourquoi pas. Donc là... On peut peut-être augmenter la cadence de tir, cadence de tir stabilité, qu'est-ce qu'on a? Dégâts sur points faibles, 25%. Honnêtement, dégâts sur points faibles. Hein. On n'a pas cadence de tir et dégâts sur points faibles. Ouais, mais ça c'est que 10%. J'ai envie de dire dégâts sur points faibles. Enfin, de toute façon, on recommence toujours avec les mêmes choses. Ah oui, donc du coup, il utilise des magazines de... Enfin, ça c'est surtout les lance-flammes qui ont ça. Munition ma... Honnêtement, munition match, je pense pas qu'on a besoin d'en rajouter. Cadence de tir, munition max. Cadence de tir. Je crois que c'est le meilleur ce que je viens de mettre. Vitesse de rechargement. Ouais, je crois que c'est le meilleur. Cadence de tir, munition max. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On a un peu, c'est un peu plus précis aussi. Ça va, c'est cool. Et après pour l'optique. Précision dégâts sur points faibles. Ouais, mais ça remplace le viseur, dégâts sur points faibles, portée effective. Les ennemis sont explosés en 3 secondes après un tir réussi. Ça peut être utile. Ouais, on va garder le viseur laser, je crois. Ça peut être utile si on a un... Comment ça s'appelle la classe? Éclaireur, si on a ça. Et après, on a quoi? On a ça. Le PPZ49 vol. Ok, alors déjà ça c'est notre arme du coup. Ouais, ça va, tire vite, très précise. Ok, cool. Et avec l'habilité. Ouais, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Ouais, honnêtement j'ai l'impression que la cadence de tir c'est plus ou moins la même. Alors que dans toutes les autres armes ça se sent un peu. Là, là j'ai l'impression que ça... Ouais, bref. Et après, on a... Ouais, mitraillette basique, quoi. Et balles qui ricochent? On dirait qu'il y a les balles qui ricochent de temps en temps. Non, c'est juste un effet. Ok. Ok, cette arme, elle va être bien pourrie. Fais voir les dégâts. Ah, les dégâts ont l'air d'être élevés. Je sais pas. On va s'équiper... Alors, 25. Alors, mission remplissée après une élimination, vitesse de rechargement, cadence de tir et munition max. On a quoi en munition max? Oh, on en a à peine 500. Pourquoi on en a à peine 500 sur un pistolet mitrailleur? C'est un pistolet mitrailleur, ça. Enfin, bref. Et là, on va refaire un peu la même chose. Normalement, j'ai un truc rouge, non? Portée effective de déplacement. Ouais, bon, on va mettre ça. Pression maniement, chance de déséquilibrer. Ok. Ouais. C'est pas...
pas top. Hein. On va surtout utiliser ça. Donc on est bon. Je sais même plus comment... Ouais, ok, cool. Comment on se met contre un mur déjà? Oh, c'est pas grave. Honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout de se mettre contre un mur? Et on regardera les autres armes plus tard. On va les laisser comme ça, parce que je vais sûrement jamais rejouer au jeu. Alors, pistolet, on a le gros revolver frontière, 750 de dégâts, si on prend un des plus gros qu'on peut, le Kramer, c'est 540. Donc on a un truc qui fait encore plus de dégâts et qui a 90 munitions maximum. Donc en gros, vous prenez ça genre en intense et tout ça, vous tirez 3 coups et c'est fini, il n'y a plus rien. Donc ça sert à rien. On a le micro-explosif, alors faites voir un peu à quoi ça ressemble, démolisseur. Démolisseur, non. Ah, je fais de la merde, pardon. Là. D'accord. Ah, si vous restez appuyé, vous tirez plus vite. D'accord, donc ça, vous me dites la différence entre ça... on a 50 armes, on a plein d'armes qui font exactement la même chose, c'est juste des explosifs, c'est bien. C'est trop bien. C'est dans le délire, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'il a de bien, celui-là? 750 de dégâts, il y a 96 munitions max, capacité 16. Honnêtement, autant prendre le... C'est lequel? C'est celui-là que je prends à chaque fois? 2200 de dégâts. Ouais, c'est celui-là que je prends. Honnêtement, autant prendre ça, quoi. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt de prendre le nouveau. Enfin, bref. Ouais. Bref. On va prendre donc l'artilleur. On va prendre les deux armes. Inventaire, on a quoi? On a des nouvelles cartes de défi, apparemment. Ouais, arrêtez de perdre votre temps. On peut faire tomber les gens. Caméra rétro. Concentrez-vous, carte défi. Caméra rétro, on l'avait déjà, je crois, non? Ah non, là, ça pixelise, en fait. C'est marrant. Festival des robots, les patrouilles de Saint-Exupéry apparaissent de façon aléatoire au cours des missions. C'est là qu'on commence à mettre des trucs, des trucs fun. Bon, c'est parti. On a fait quoi? 10 minutes de rien, c'est bien. Par contre, ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils nous disent ce qu'on a fini. Difficulté un temps, genre la cauchemardesse, ça change pas. Pardon. Ouais, bof. Alors, mode de jeu, point de défense. Match public, on va peut-être... Ouais, on va mettre un temps, ça va, quoi. Donc, défense de point séisme, lancer la mission, joindre la file d'attente, yes. Voilà, voilà. Mission prête. On a trouvé des gens, yay. There are engineer objects that protect the ruins from quakes, but Xenos attack when they turn on. Keep them running, or the ruins, everything we could learn, collapses. Ok, cool. Yeah, on a des gens prêts, pardon. On a des gens, c'est cool, honnêtement, c'est cool. On va voir un peu ce que ça donne. Mais ouais. Donc on va avoir 3 points à défendre des Xenos, il va y avoir des sortes de vagues en fait qui vont attaquer, faut bouger en fait, faut patrouiller un peu pour éviter que les trucs se fassent défoncer. Et on a 3 manches et après on gagne. Donc voilà. Après la nouvelle map, ce qui est marrant c'est que l'extérieur de la map est super joli. On va regarder ça, c'est super beau l'extérieur de la map. Je voudrais bien qu'on ait une des putains de cinématiques pour l'atterrissage quand même, honnêtement. Pour quand on débarque. Ce serait très très sympa d'avoir ça, mais bon. Faut pas trop en demander. Le chargement est méga long. Ok. Ouais, c'est très joli. Busted them.
très très joli. Avec le vaisseau et tout. Je sens que le jeu est pas super fluide, honnêtement. Ouais, non, le jeu est pas super fluide. Pourtant, j'ai jamais eu de problème avec le jeu. Ouais, et ça... Yeah, on peut plus ressortir. Donc là, on a trois trucs de soins. On a les munitions ici, ça marche. Là, on a les provisions. C'est exactement les mêmes choses avec le même nombre de points et tout ça. C'est... Apparemment, on gagne plus de points, ils disent. Donc, on a ABC. Ah, Alpha. Ah putain, ça lag! Catastrophe, catastrophe. Ah mon dieu, quoi. Ok, ça va un peu mieux. Désolé, j'ai une arme de merde, les gars. D'accord. Ah, réparer. Ah ouais, carrément, médic, quoi. Ok, d'accord, le truc s'est fait défoncer. Mais les mecs là, faut faire quelque chose quoi, non? Ah, fait chier. Oh mon dieu, je déteste faire ça. Non, bah ça, c'est bien. Honnêtement, je vais même pas blâmer la personne qui est tombée directement. Parce que, je vais être honnête, le jeu a l'air de laguer sa maman. Alors que j'ai jamais eu de problème. Puis après, bon, moi j'ai une arme pas augmentée. Munitions faibles, lol. Bon bah là on peut quitter quoi. Ah ouais non, l'autre a quitté du coup. Bon bah c'est la mort. Comment on soigne? Je me rappelle même plus comment on soigne. C'est quoi la touche pour soigner? Merde, j'ai rien dit. Comment c'est pour soigner? Oh, je sais plus soigner. C'est quoi la touche? Ah putain, pardon. C'est quoi la touche pour soigner? Alerte. Non, on répare. Ah, c'est le même bruitage qu'ils ont mis pour... Ah bah oui, bah c'est des trucs de Prometheus, en fait. Il y a des sortes d'œufs, en fait, qu'on appuie dessus. C'est pour ça que ça fait du bruit. Et gros, faut que tu regardes ton radar. On est très bas en vie. Ah, là aussi, il y a des caisses de munitions. Ah, il y a des caisses de munitions à différents endroits. Comme ça, ça permet de bien protéger, en fait. Bah, c'est bien. Bah c'est bien, ils ont appris. Genre pourquoi pas mettre plus de munitions en fait, de pouvoir porter plus de munitions du coup. Hein? Au lieu de mettre des caisses de munitions partout. Alors attends, comment... Sans déconner, c'est quoi la touche? Accessibilité.
possibilité. C'est dans quoi? Mon dieu, je passe pour un gros con, c'est bien. Capacité de kit. Non. Découvrir, grimper, sprinter. Trousse de secours. Ok. J'essaye de recharger à chaque fois, ça fait bip bip, désolé. On a munitions plein. Genre pourquoi mettre des caisses de soins partout? Juste ouais, faites en sorte qu'on puisse en porter plus quoi. Ce serait beaucoup mieux. Je crois qu'il faut relancer maintenant, repriser l'armoire de réquisition, réactiver les consoles. Ouais. Donc en fait, à chaque phase, on peut réparer les choses. Donc là, par exemple, je suis le seul à le faire, là, par exemple. Oui. Mais moi, je suis en train de réparer les choses. Donc encore une fois, les gens... Ah, très bien. Il prend pas de dégâts si on tire dessus. Ouais, mais il prend pas de dégâts. Ok, on va récupérer un soin. C'est là. F. Ok, sur B. Vous avez vu, ça saigne quand il tape. Ça saigne. Ça aussi, c'est très bizarre. C'est comme si... d'accord, il est pas tombé. C'est comme s'ils avaient mis l'animation d'un... C'est Guldruck dans mon Discord qui a remarqué ça. C'est bien, je suis seul. Qui a vu ça? C'est qu'ils ont mis une... je sais pas, genre une animation de coup pour les objets, pour les machines. Et du coup, c'est comme si c'était un humain qui se faisait taper parce que ça saigne rouge. Bah, honnêtement, cette arme, elle est... Bah, après, je fais pas trop de dégâts parce qu'elle est... Elle est pas augmentée, quoi, mais... Merde, tout derrière. Honnêtement, même si elle sera augmentée, l'arme, elle sera nulle, honnêtement. Elle va pas faire plus de dégâts. Donc, honnêtement, c'est une arme pourrie. Elle est pas intéressante du tout. Vous avez vu les dégâts, c'est des 318 maximum. Et quand on l'aura augmenté, ça sera genre vitesse de tir et tout ça. Donc c'est pas intéressant, hein. C'est pas vraiment intéressant. Je préfère avoir les bons vieux fusils d'assaut. Donc on est tous... on a merdé. C'est bien, bien joué. Bah c'était cool. C'était cool. Retour à la base. C'était sympa, c'était sympa. Donc c'était la... Voilà, c'était pour montrer le nouveau mode. Je vais le faire avec les gens du Discord, je vais refaire une vidéo dessus, avec les gens du Discord, pour éviter d'avoir cette catastrophe-là. Mais le jeu semble un peu lagué et tout ça. Je veux pas dire, mais il n'y avait pas de problème comme ça avant. Comment on quitte? Ah putain, comment on quitte? Bref. Le jeu avait pas de problème et tout, là j'ai l'impression que ça patauge un peu. Donc pour le moment, donc cette arme là, elle est nulle. Enfin elle est, oui non mais elle est sympa, hein. On va dire oui c'est sympa. Il y a plein de munitions tout ça, mais en combat réaliste ça sert strictement à rien. Parce que bon de toute façon il y a des caisses pour, genre les points de défense, il y a des caisses pour s'alimenter en munitions. Mais les dégâts sont trop faibles, moi ce que j'utilisais à la base c'est ça, il fait extrêmement mal sur les points faibles et tout ça. Si on l'augmente, ça te fait juste cadence de tir, temps de rechargement, cadence de tir, donc il n'y a pas de coup critique en plus ou quoi que ce soit. Celui-là il fait quoi déjà, je ne me rappelle plus. Stabilité et dégâts 0,5 après un tir, voilà, donc, là on gagne un peu des dégâts en plus sur le groupe A. Ah, donc ça reste quand même le mieux. Mais ouais. Non, encore une fois, c'est des armes qui servent à rien. Ça, si on joue en difficulté élevée. Hein, parce qu'on est là, après on veut me dire, oui mais bon, il y a d'autres classes et tout, si tu veux faire des dégâts. Bah non, tout le monde doit faire des dégâts, on est là pour tuer les aliens, on n'est pas là pour danser la lambada.
Ouais. C'est un peu nul ces armes, c'est con. C'est un peu nul. Mais ouais. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de nouvelle classe. Il n'y a que 4 armes à augmenter. On met genre 2 cartes. On fait 2 missions. On aura l'arme au maximum. Donc bon, voilà. Le mode est sympathique. Le mode est sympathique, il arrive grave trop tard parce que bah, le jeu, il n'y a plus personne qui joue. Mais le mode est sympathique. Je pense que c'est nettement, nettement mieux ce mode-là que le mode Horde, par exemple. Le mode Horde est complètement inutile maintenant. Sûrement personne qui doit y jouer. Bon, il y a déjà personne qui joue au jeu. Mais le mode Horde est complètement inutile. Défense de points est beaucoup mieux et apparemment, il y aura sûrement un troisième mode. Donc voilà, donc à chaque fois, si c'est pour nous sortir des modes et rendre les modes d'avant obsolètes, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner les jeux vidéo. C'est pas, enfin, si vous rajoutez des modes, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. C'est censé rajouter des modes et différentes expériences pour que quelqu'un puisse aimer plus le mode Horde ou alors plus le mode défense et tout ça. Genre, voilà. Là, Horde, en fait, c'est nul comparé à défense de points, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je le vois. Partie rapide, donc est-ce qu'on... les parties rapides, on peut toujours pas choisir genre les modes de jeu. Je sais pas trop. Genre, est-ce que maintenant, partie rapide, on a le temps? On a toujours le temps ou pas? Non. Maintenant, ils ont enlevé ça, ils ont mis à jour ça. Donc, vous rappelez avant, c'est encore une fois, c'est la même chose en fait. Il y a un temps ou pas? Il n'y a plus le temps. Ils ont enlevé le temps. Donc encore une fois, on en revient encore exactement à la même chose. Je suis fou ou quoi? Non, il n'y a plus le temps. Parce que vous vous rappelez, avant, je m'étais plaint encore de exactement la même chose. C'est que si vous mettez un matchmaking, enlevez-moi cette connerie de temps. Pourquoi je peux chercher des gens pendant seulement 1 minute, pendant genre 60 secondes, et après vous me foutez des bottes à la con. Genre, enlevez-moi ça! Et ben, dans cette mise à jour, ça a été changé. Donc voilà, là, c'est un vrai matchmaking où on recherche des gens indéfiniment dans un sens. Ou alors, on peut faire verrouiller les squads. Et là, on peut lancer, c'est ça? Voilà, là, on peut lancer. Ok, parfait. Donc voilà, là, on a un matchmaking bien. Là, on a un matchmaking bien. Donc, si on n'est pas plein, on peut verrouiller les squads et après faire prêt et on lance, même à deux, et après on aura un bot en troisième. Mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps avec les bots. Donc, encore une fois, les devs. Oh la vache, faut réfléchir, faut grave réfléchir. Ça va faire 3 fois que j'expose des gros problèmes à la sortie et que les trucs sont corrigés, genre des semaines ou des jours ou alors des mois après. Et c'est vraiment chiant, quoi. Réfléchissez avant de me sortir un truc, quoi. Sérieux, c'est casse-couille. Oh mon Dieu. Ah non, ah non. Ah ben, vous méritez pas de refaire un jeu, hein, vous tous. Hein. Réfléchissez, merde. Les jeux vidéo, ça n'a pas été inventé hier. On a Internet maintenant. On peut tout savoir sur tout. Ah, d'accord. Ah ben, j'étais toujours en escouade, du coup. J'étais toujours en escouade. Du coup, désolé mec, je vais devoir quitter. Je sais, je suis un connard, mais désolé. Enfin bref, peut-être que je finirai la mission, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Mais bon, voilà, encore une fois, les devs sortent des choses et ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas du tout. C'est bâclé, c'est des choses qui devraient arriver au début du jeu, que ça devrait bien fonctionner au début du jeu. Donc voilà, c'est vraiment con, c'est vraiment chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.